Ce visage, le peuple israélien ne l'oubliera jamais. Celui de Shirel. Shirel Aboukrat. Née à Marseille, cette franco-israélienne est venue immigrer en Israël en 2006, à l'âge de 3 ans, avec ses parents et son frère. Leur rêve, vivre une vie simple, en toute sécurité. Shirel, qui vit à Ramat Poleg, à Natania, étudie notamment dans l'établissement secondaire de Rigler. Et ce lundi, un mémorial a été inauguré en son nom. Son directeur se souvient d'elle. Elle était une excellente étudiante dans tous les domaines, dans tout ce qu'elle entreprenait. C'était une élève souriante et tous ses camarades l'aimaient beaucoup. Elle avait très souvent 100 sur 100 et surtout, elle voulait que ses camarades aient aussi les mêmes notes. Son professeur l'appelait son bras droit. Elle motivait ses camarades pour apprendre et puis, dans le cadre des études, chacun devait apporter son petit plus. Shirel préparait tous les jours des sandwichs pour ceux qui n'en avaient pas. Elle a fait ça pendant 2 ans. C'est très dur de parler d'elle au passé. Aider l'autre, donner de son temps. C'était l'une des belles qualités de Shirel. C'était une fille qui voulait que aider. C'était un petit soleil, elle était... Elle a aidé pas mal de gens à Ramat Poleg, en gardant les enfants, en faisant pas mal de choses. Derrière cette douleur, règne aussi un sentiment de colère et d'insécurité pour cette mère de famille. Hier, je me baladais à Natania et je voyais cette ambiance où les gens ont peur derrière, devant. Ce que je ressens aujourd'hui, c'est qu'en fait, si vous voulez, malheureusement, ils ont la tête haute. Ils n'ont plus peur comme il y a 10 ans. Je n'accuse pas un gouvernement, mais je ressens ça au plus profond de mon cœur. Je suis là depuis 20 ans, j'ai fait mon alia. Et en fait, en se promenant, nous avons vraiment une frayeur de savoir ce qui va se passer. Donc, on ne peut pas vivre comme ça dans la terreur. Non seulement pour nous, pour nos enfants et encore pour nos soldats qui nous protègent tous les jours. Le rêve de Shirel, faire son service obligatoire dans la police des frontières. Un rêve devenu réalité. Rempli de fierté, le mois dernier, la jeune femme est allée revoir ses professeurs, équipée de son uniforme. Un uniforme qu'elle portait ce dimanche 27 mars, en poste à Hadera dans le nord du pays. Elle tombe sous les balles de terroristes. Elle est lâchement assassinée. Au lendemain de sa mort, des milliers de proches, d'inconnus, des personnalités, des familles de tout Israël sont venus lui dire un dernier adieu, non sans retenir leurs larmes. J'étais avec Shirel au lycée. Shirel était une personne absolument incroyable qui aidait tout le monde. Elle voulait toujours aider et donner. Et c'est insupportable de se dire qu'on lui a pris la vie. C'est très triste de voir qu'en Israël, on doit encore avoir peur, raser les murs, regarder derrière nous dans la rue, craindre pour notre vie et celle de nos enfants, et être toujours dans la peur. C'est dur de se dire qu'un beau matin, quelqu'un peut se réveiller et se dire que parce que l'autre est juif, il veut le tuer, lui ou ses enfants. Je suis arrivée de Russie, comme Shirel était arrivée de France, parce que j'avais la conviction que la place de tout juif est ici, en Israël. Notre pays, notre seul pays. Mais même dans notre pays, on nous tue. Ça me brise le cœur. Serrer les uns contre les autres, unis plus que jamais dans cette épreuve insurmontable, tous sont venus partager le chagrin et la douleur de la famille de Shirel, une héroïne qui avait 19 ans et toute la vie devant elle.